Nous commençons très tôt le matin à 5h30 et c'est, on s'élève. Et la première chose, la première activité que nous faisons, c'est chacune dans sa cellule, c'est la lectio divina. Et alors, la lectio divina, c'est pas une lecture, mais c'est une lecture méditée de la parole de Dieu que nous devons transformer en vie. C'est un contact direct avec Dieu dans sa parole. Et c'est une prière déjà. Alors, c'est à 6 heures qu'on commence avec la lectio divina. Et cette lectio divina, c'est aussi la préparation pour une autre prière que nous faisons à 7 heures, que c'est l'adoration eucharistique. Alors, après avoir eu contact avec Dieu dans sa parole, qui est parole vivante, on a ce contact avec Dieu présent dans les. Jésus même présent dans le Saint-Sacrement. Alors, nous faisons une heure d'adoration au Saint-Sacrement, toujours en silence. C'est la première prière communautaire que nous faisons dans la chapelle. Une fois fini l'adoration, nous faisons les chants de la prière du matin. Comme vous le savez, il existe ce qui s'appelle la liturgie des heures ou bien l'office divin. Et l'office divin, c'est comme la prière officielle de l'Église. Alors, c'est l'Église même qui un peu accueille les intentions et les besoins de toutes les âmes. Et c'est la louange de l'Église à Dieu, mais pas seulement la louange, c'est une prière de pétition, aussi une prière de demande pour tous les saints, que nous faisons notre aussi, cette prière de l'Église. Et l'office divin est constitué de différents airs liturgiques. Et nous chantons toutes les airs liturgiques, que sont sept pendant la journée. C'est divisé, alors ce sont sept. Et nous les chantons parce que, comme disait Saint Augustin, qui chante plus deux fois. Alors nous voulons aussi prier doublement. Alors c'est la première heure liturgique, c'est la prière du matin à 8h. Et ça finit vers 8h30. Et nous allons à faire le petit déjeuner. Alors, nos repas sont en silence aussi, non? C'est notre vie que c'est comme ça, que c'est une vie de silence et de prière. Alors, pendant les repas, nous écoutons ou bien des vies de saints, ou bien des œuvres spirituelles, quelque chose qui peut nourrir notre vie, non? Alors, après le petit déjeuner, nous retournons tout de suite à la chapelle pour chanter encore une petite heure. Ça s'appelle comme ça, une petite heure, que ça dure que 10 minutes, qui s'appelle tierce. Et après tierce, on va dans les jardins pour prier les chapelets. C'est la manière d'offrir aussi notre journée à la Très Sainte Vierge Marie et de recueillir aussi les intentions que nous recevons des personnes. Et alors, à 9h30, nous finissons un peu plus près. La prière du chapelet. Et nous commençons avec le travail, à 9h30. Le travail, oui, alors, c'est pas beaucoup de temps que nous avons dans la journée parce que la plupart du temps, se passe dans la prière. Si nous voulons compter les heures comme ça, ce sont 7h30, encore plus, que nous avons de prière dans notre journée. Et c'est la prière la chose la plus importante pour nous, pour notre vocation, non? C'est la chose que Dieu nous demande de faire, aussi pour les saints que se recommande à nos prières. Et c'est Dieu même qui a voulu ça, qui a donné beaucoup de fruits à la prière de ces contemplatives.
pas pour que nous sommes sages ou bonnes, mais parce que lui est bon et a voulu comme ça, non? Alors, nous sommes dans le temps de travail et ça finit. Alors, dans le temps de travail, qu'est-ce que nous faisons? Alors, il y a beaucoup de choses à faire dans la maison, non? Vous le savez bien, il faut faire le ménage, la cuisine. Alors, nous divisons les tâches et chaque jour, une de nous est en charge de la cuisine. Alors, nous le faisons un jour chacune. Mais aussi, il faut nettoyer l'église. Il faut repasser, oui. Et nous cherchons aussi de faire des petits travaux manuels, que ce sont des petites choses que vous voyez toujours là. Et ça sert pour un peu... Et c'est pas pour les vendre, parce que nous ne vendons pas le travail que nous faisons, mais c'est plutôt pour comme la manière de susciter le monde, non? Parce que, comme vous le savez, la chose la plus importante, c'est la pierre. Et nous ne pouvons pas laisser la pierre pour faire des autres travaux. Alors, ça c'est clair, parce que comme je suis appelée Marie, Marie a choisi la meilleure part. La même chose, nous, non? Alors, nous ne pouvons pas laisser la pierre, ça c'est clair. Et alors, à midi, on finit avec le travail et on chante encore une petite heure qui s'appelle Sexte. Et tout de suite, nous allons faire les repas de midi, que toujours c'est, comme je disais avant, en silence. Mais quand nous sommes encore dans la table, commence la récréation. La récréation, c'est le moment dans lequel nous pouvons parler. Alors, il y a deux... dans la journée, nous avons à midi et dans le soir, dans les repas du soir, et nous profitons bien la récréation pour parler, pour raconter des choses qui se sont passées, tout ça. Ou bien de transmettre les demandes de prière que nous recevons. Alors, fini le repas de midi, nous avons une heure de repos, que c'est la sieste, que c'est possible à faire ou bien non. Alors, qui veut peut le faire, et sinon, il y a toujours beaucoup de choses à faire, ou bien lire, ou faire une promenade, ou prière, ou ouais, je ne sais pas. Après le cancer, nous avons encore une petite heure qui s'appelle non. Et tout de suite, à cancer, oui, à plus près, nous faisons le temps des études, c'est le temps des cellules. Alors, le temps des cellules, nous l'appelons comme ça parce que c'est le temps en silence dans la cellule. Non? La solitude de la cellule, c'est très important pour nous. Et nous avons le temps des études que ça sert à nourrir notre vie de prière, notre vie d'intimité avec Dieu. C'est une heure. Et après une heure de temps libre, parce que, oui, il faut repasser la vie, il faut nettoyer la cellule, il faut avancer des travaux, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses à faire. Et après, à 5h30, nous avons encore une deuxième heure d'adoration, vous le savez, parce que c'est dans les horaires écrits. Et après, ça s'est suivi pour la prière du soir, de vêpres. Et tout de suite, c'est la messe. Que, finalement, c'est la chose la plus importante pour nous, la messe. Pour ça, c'est qu'on a décidé d'avoir un peu plus calme l'après-midi pour pouvoir nous préparer mieux à cette rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie, dans la messe. Une fois que la messe est finie, après notre temps d'action de grâce, et nous avons une chose qui s'était appelée par Saint Jean Bosco, que c'est les bonnes nuits. C'est une habitude que lui avait avec ses garçons dans l'oratoire, que c'est de raconter une petite histoire ou quelque chose, quelques mots, petits mots, qui peuvent servir, peuvent aider. Alors nous faisons ça, c'est un petit pensée sur quelques mots, sur quelque chose de spiritualité ou de saint. Et après on va encore dans la salle à manger pour avoir le dîner, le repas du soir. Et c'est toujours un peu de temps de lecture. Normalement, nous profitons pour lire des racontes de nos missionnaires, les chroniques qu'ils écrivent.
Et c'est très bien, comme ça nous sommes très unis à nos missionnaires. Et aussi, nous prions, nous avons plus présentes les travaux qu'ils font, non, dans nos prières. Et après, c'est suivi de la récréation encore, une heure de récréation. Et nous finissons vers 9h20. Et à 9h30, nous chantons encore, complis. Et nous prions une chose qui s'appelle martyrologe. Alors, ce sont les mémoires des saints du jour à venir, non, du lendemain. Alors, nous prions, lisons ça. Comme ça, nous pouvons aussi nous rappeler des saints. Hein. Et nous chantons encore l'office divin, que c'est un peu plus long. Et vers 10h30 que notre journée est finie. Hein. Nous allons à dormir, à se reposer. Et ça, c'est une journée typique du lundi à vendredi. Après dimanche, nous avons plus de temps de récréation et nous pouvons, et oui, nous profitons bien pour, c'est un temps festif aussi, non, c'est dimanche, alors il faut profiter. Nous pouvons aussi dormir un peu plus. La levée, c'est à 6h30. Et aussi le repos, le temps de repos dans l'après-midi, c'est un peu plus lent, alors nous profitons bien. Oui, c'est ça notre journée. Alors, nous voulons vous inviter à connaître un peu dans l'intérieur notre vie. Et pour ça, nous avons pensé à faire cette journée à porte ouverte. See you.